Bon, alors on a un maréchal ferrant à temps plein, c'est Marc. Les chevaux ne sont pas tous ferrés de la même façon. Ça dépend de la discipline et ça dépend aussi de la conformation du sabot. Et donc, beaucoup de chevaux ici ne sont pas ferrés à l'arrière, mais plutôt à l'avant. Et ce qui donne un meilleur confort, surtout au départ, parce que ça, c'est comme un quarter horse et c'est les sprinteurs, donc ça leur donne un meilleur confort au départ. Et ça permet aussi d'équilibrer pour que le cheval ait vraiment des aplombs solides, des aplombs assez égaux. Et c'est pour ça que Marc travaille tous les jours à soit trimer, donc trimer, c'est couper les ongles des chevaux, ou faire, parce que c'est comme nous, hein, les ongles, ça pousse, et puis il faut les couper, ou bien faire les fers. Bon, il y a différents types de fers. Il y a des fers d'aluminium, il y a des fers de métal. Il y a des fers, de temps en temps, on met des fers dans lesquels on met des coussinets. Quand nos sols sont un peu plus durs, des fois, on met des coussinets, ce qui fait que le cheval sent moins au centre de son sabot, sent moins le matériau sur lequel il marche ou il court.